Le nombre de fois où on m'a insulté, où on m'a fait la leçon. Une leçon de comment est fait une bonne série. Quand j'ai dit que je suivais le Arrowverse, je peux plus les compter. Donc, une majorité de personnes a craché sur ces séries pendant 8 ans, ou voire plus, parce qu'on crachait déjà sur Smallville. Et là, dès que ce crossover arrive, tout le monde se paluche, et vous paluchez tellement fort que vous avez spoilé pas un, mais 5 épisodes. Et surtout, l'avant-dernier, carrément, vous avez pris cette photo, vous l'avez mis dans vos stories, vous l'avez mis en photo de profil. Donc, s'il vous plaît, les amis, je vous en supplie, continuez de toutes vos forces. Par l'orifice que vous voulez. Parce que le spoil, je n'en peux plus. Et surtout, l'hypocrisie que vous avez par rapport à la CW se prend toutes les insultes de la Terre. Et là, vous avez accueilli ce crossover comme le crossover de l'année. Vous l'avez accueilli comme une finale de Super Bowl. Il n'y a rien à dire. Vous êtes de magnifiques raclures. Parce que vous ne méritez pas ce crossover. Alors que moi, je le méritais. Ça fait 8 ans que je me tape la plupart de ces séries. Bon, j'avoue, j'ai lâché au bout de la première saison de Supergirl. Mais je me suis tapé 22 épisodes pour comprendre, même si je suis un peu dur de la feuille, que c'était vraiment difficile. Donc mon pote, cet event, il est pour moi, et pas pour ta gueule. Monsieur Lambourgeois, partons parcourir le multivers d'ici avec Crisis on Infinity Earths. De nos amis de la CW que tout le monde aime, enfin presque. Parce qu'il y a ceux aussi qui détestent la CW, mais qui sont partis quand même voir ce crossover pour lui cracher dessus. Ah, quel kiff. Alors, le crossover qui vient conclure 8 ans de Arrowverse, et je suis très friand de leur crossover à la base, à part le dernier qui était en demi-teinte, et c'est tout le temps très sympathique. Et il y avait une grosse communication dessus, avec le comics éponyme qui est un véritable culte indispensable. Une fois que tu l'as lu, mon pote, tu te sens un autre homme. Il y a un avant et un après. Parce que cette œuvre de Wolfman et de Perez a été une véritable révolution à l'époque. Mais alors là, adapté par la CW, dont on connaît les quelques qualités et les nombreux défauts, il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles. Les connaissant parfaitement, je savais ce qui allait se passer. Je me suis un peu projeté. Parce qu'avec leurs pauvres moyens, c'est quasi inadaptable. Mais ils se sont bien débrouillés sur certains pans, il faut l'avouer. Car ils ont mis du cœur à l'ouvrage. C'était fun. C'était engageant, même les personnes que j'aime charrier et qui ne regardent pas ces séries, ils sont allés par curiosité. Il faut reconnaître leur courage parce qu'ils ont tenté l'impossible en attrapant l'univers DC télévisé, film, avec l'univers comics. En 5 épisodes d'une quarantaine de minutes. J'avoue, c'est pas facile, sachant qu'ils produisent aussi les autres séries derrière. Ils sont pratiquement à 100 épisodes dans l'année. Donc Mark Guggenheim et tout son staff, j'ai envie de vous féliciter. Même si l'œuvre n'est pas parfaite, au moins c'est tenté et ça fait plaisir quand on a un fan du genre. Attends sur les qualités, j'ai beaucoup aimé la réunion de tous ces super-héros. Le premier épisode était très sympa, c'était un petit sentiment d'urgence. Il y avait la mort tragique et héroïque de notre Oliver Queen national. Le combat sur la tour de protection était aussi vraiment cool, ça partait plutôt bien. Mais après, CW, dont on connaît les travers, une réalisation un peu cheap, parce qu'ils ont pas un gros budget. Et encore, ça c'est pas le plus gros défaut. Pour moi, la plus grosse indigence de ce crossover, d'avoir été trop généreux. Ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu partir dans tous les sens. Et finalement, ils se sont tellement appuyés sur les clins d'œil et sur les caméos, qu'ils ont oublié de nous raconter une histoire. Je connais bien l'univers DC Comics, donc j'arrive à me repérer facilement, je vois où ils veulent en venir. Mais un mec qui connaît pas du tout DC Comics, il est complètement paumé. Un mec qui n'a pas suivi les séries, qui n'a pas vu les films, est encore plus paumé. Il s'applique plus à faire des caméos, à te mettre des coups de coude pour dire « Regarde, c'est telle personne !» Que finalement, t'en as plus rien à foutre. En fait, c'est une vitrine de leur univers. Mais c'est pas la moitié d'une histoire. Et ça, c'est pénible. Vous arrivez facilement à le faire sur les autres crossovers que j'ai vraiment préféré. Pour moi, je suis vraiment désolé de le dire parce que j'ai envie de soutenir ce projet. The Crisis est pour moi le plus faible. Je ne compte pas le tout premier avec Flash et Arrow. Mais ils ont commencé à monter en puissance avec Heroes Join Forces. Décidément, l'English, faut que je travaille mon accent. Encore dans la progression avec World Finest. Et celui pour moi qui a été le plus réussi, Crisis on Earth X, était vraiment splendide. Je peux comprendre les clins d'œil, c'est super sympa quand tu vois le Batman de 1989 avec la musique de Danny Elfman, c'est super cool. Il continue de plus belle avec un super clin d'œil aussi à Burt Ward, le premier Robin de la série télé. Eh bien, mais ça a été ça tout le long. Après tu vois The Huntress, tu vois d'autres personnages, tu vois les Titans. Mais finalement ça sert à rien en fait. C'est que de la posture, c'est une photo de famille ou c'est un gif animé. C'est que ça. Là où j'ai vu que la série partait à moitié dans le mur, parce que j'ai pas envie de l'en vouloir, j'ai envie de trouver quand même des qualités. C'est pour ça que je dis qu'à moitié. C'est le caméo très sympa de Tom Welling, Clark Kent de Smallville. C'est quand même le personnage de départ, pour moi, de toute la CW, bien avant Oliver Queen. Et son caméo ne dure que 2 minutes 30. Quoi le faire venir pour jouer une scène? C'était ridicule. Moi, je pensais qu'il allait jouer vraiment un vrai rôle, genre un épisode et demi au moins, tu vois. Erika Durance, elle dure 10 secondes, aucun respect. Et vu que j'ai lâché Supergirl, j'ai fait connaissance avec le Lex Luthor de Supergirl. My God. Qu'est-ce qu'il est nul! Le casting de Supergirl, c'est que des têtes à baffe, quoi. Elle, la première qui était mienne dans la première saison, mais là, je la redécouvre. Qu'est-ce que c'est horrible! Quelle régression! Et continuons de plus belle! La mort de Oliver Queen, qui est vraiment mal gérée, qui est tirée en longueur. On nous ressort encore les puits de Lazare! Mais putain, laissez-le crever! Et le pauvre Constantine, qu'on a traîné dans la boue, alors qu'il avait vraiment une bonne série, on a allumé au bout de la première, et tu le fais revenir pour ça? Et tu nous ramènes Lucifer, qui dure 10 secondes! Mais à quoi ça sert? Miskin, Black Lightning, le mec entre guillemets, qui a l'univers le plus terre-à-terre, le plus street. En 2 saisons, j'ai pas vu la 3e, il n'y a aucun lien avec eux. Et le mec, tu le fais débarquer comme ça, comme s'il sortait de la pièce d'à côté. Il a aucune émotion.
Notre ami Jefferson, qui a plein de principes, c'est un mec qui est hyper attaché à sa famille, sa terre vient de cramer. Ah bah ouais, bah je vais me battre pour eux. Et hop, je serre la main de Flash, et on va aller se taper pour sauver l'univers. Mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Mais pas les faire jouer deux secondes, parce que tu sens que le mec il est entre deux tournages, il est dans une caravane à côté, et t'es en train de lui dire, bon mon gars, viens faire la scène avec nous et repars sur ton tournage après. Allez, la seule que je peux un peu valider, c'est la scène avec le Flash des années 90, qui ramène son costume d'origine. C'était vraiment sympa, ça m'a un peu ému de voir John Wesley dans ce bordel, parce que ça va tellement vite. Et mon pote, c'est un vrai sacrifice, comme dans le comics, où Flash est complètement désintégré. Ça, c'était super cool. Mais il y a des choses qui vont pas, encore avec Oliver Queen, qui devient le Spectre. Pareil, le Spectre, tu veux pas expliquer ce qu'il est? Si t'as pas lu les comics, le Spectre, t'es pas au courant, en fait. C'est un personnage qui est super puissant. Présente-le! Pareil pour l'Anti-Monitor! Mon pote, c'est lui qui fout la merde! Et franchement, la présentation est minable. Je te parle pas du maquillage. Qu'est-ce qu'il était chum! C'était pareil pour le personnage du Monitor, Marnovu, qui était déjà exécrable dès le crossover précédent, dès la saison d'Arrow. Et là encore, le petit lien, celui qu'il a avec sa femme, quand il va explorer l'aube du temps, c'était une scène très cool, mais il fallait pas la mettre là, fallait pas la mettre à la fin. Mais là, au début, bordel, fais les choses dans l'ordre. Et le sommet dans tout ça, c'est la scène que vous avez tous kiffé et que vous m'avez spoilé comme des gros bâtards, que vous êtes. La scène avec Ezra Miller, qu'est-ce que t'en fais aussi? Le DCU Release The Snyder Cut est présent. Franchement, c'est super sympa, mais c'est quoi cette scène de joke? Tu veux pas lui faire faire une action, Ezra Miller? Je sais que c'est un acteur qui est un peu bankable et qui est connu. Une petite course ensemble, mais là, il y a des mecs qui se sont tâtés leur costume. Autre chose qui est très fâcheux, et ce, depuis le début du Arrowverse, c'est le traitement de la Trinité. C'est le traitement de la Justice League, c'est un peu du foutage de gueule. Je me demande comment, en 8 saisons, ils ont jamais réussi à introduire Wonder Woman et les Amazones. Themyscira a complètement disparu de la carte, donc il nous en reste deux, Batman et Superman. Et leur traitement laisse à désirer, parce qu'on se fout de leur gueule. Déjà, Superman, il y a un gros problème par rapport à lui, c'est qu'on le ramène dans la série Supergirl. Superman, c'est le papa de tous les super-héros comics réunis, que ce soit Marvel, DC, des indépendants, c'est le mec qui a inspiré tout le monde. Donc tu veux pas la ramener pour le traiter comme de la merde. À mon humble avis, il fallait laisser Supergirl toute seule se démerder. Parce qu'en fait, quand tu le ramènes, le pauvre, c'est le bouffon de Supergirl. C'est un faire-valoir. Et il fait pitié dans chaque combat. C'est toujours lui qui ramasse. Il ramasse plus que les méta-humains, il ramasse plus que les êtres humains normaux. Même si le clin d'œil à Kingdom Come est super cool, et le clin d'œil au Superman de Richard Donner est très bien avec le lien qu'il a avec Lois Lane, ça passe. Et je pense que ça fait kiffer Brandon Routh de renfiler la cape. Et attention, Batman. Déjà, Cathy Kane, Batwoman, elle vient de débarquer et tu la mets en première ligne de ce conflit. C'est pas à elle de prendre le leadership par rapport à cette crisis. Il y avait des leads féminins qui sont là depuis des années qui méritaient de se taper en première ligne et c'est elle que tu mets. Et en plus de ça, pareil, tu nous ramènes le Batman hyper symbolique avec Kevin Conroy qui est la voix du Batman animé. Et là, c'est le Batman super ambigu de Kingdom Come aussi. Mais tu lui donnes un rôle minable et il se fait éclater en 5-6 par un coup de latte. Eh bien qu'on joue avec les codes comme ça, mais c'est pour leur chier dessus, les ramener pas. Pour en revenir par rapport à la Batwoman, eh bien qu'il ait des skills, mais c'est comme d'habitude. C'est la puissance que tu as par rapport à ce conflit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport aux comics, c'est que toute la Bat-Family était en retrait par rapport à l'Anti-Monitor. Parce qu'ils peuvent plus rivaliser. Ils ont pas la puissance pour. Et là, la Cathy, elle fait face à son problème. Elle a pas peur. Elle rentre dans là. Et le final, bordel. Tu vois l'Anti-Monitor qui débarque. Et t'as la Team Arrow qui vient aussi se taper. Et t'as Wild Dog qui tire avec ses guns. Logiquement, ils n'ont pas le niveau pour se taper contre les ombres de l'Anti-Monitor. Normalement, ces ombres, elles t'effleurent. Tu es censé crever. Mais tu vois que Black Canary les éclate à coups de bâton. Elle aussi, elle a rien à faire là. On se fout beaucoup de la gueule de Justice League, a raison, mais à un moment, tu vois que Batman, face au Parademon, face à Steppenwolf, le mec, il peut pas faire face. Tu vois qu'il est en galère. Et bah là, non. Là, ils affrontent un des personnages les plus puissants de l'univers. Personne ne flippe. C'est ça qui me vénère avec ces séries, en fait. T'arrives pas à les prendre au sérieux. T'as pas de sentiment d'urgence. Je ne demande pas des performances oscarisables. Je demande juste que ce soit un peu plus palpable, un peu plus réel. C'est tout. Que là, les acteurs, ils y croient pas. Bon, à part un petit peu Stéphane Hamel, qui lui est en dépression parce qu'il sait que c'est sa fin. Donc le mec s'applique. Après, ce qu'il y a de positif sur la fin, c'est vraiment l'épilogue. Parce que c'est un super clin d'œil, et quand t'es fan, tu peux que kiffer, même s'il y a plein de questions qui se posent. C'est une fin qui va de l'avant, qui donne beaucoup de perspectives d'avenir à la CW et à tout le DCverse. Il y a une reformation du multivers avec différentes terres. On utilise l'arrivée de Stargirl, avec, je pense, la Justice League of America. Ça reste à confirmer. Aussi le corps des Green Lantern, qui va être une série HBO, donc je sais pas comment ça va se passer aussi là, est-ce qu'il fait partie de cet univers. Parce qu'en fait, ils ont tout attrapé, il y a même Swamp Thing. Il y a même une question, pourquoi vous avez fait ça? Titans, qui n'est pas sur la même terre que Doom Patrol. Ça, c'est complètement chelou parce qu'ils font partie du même univers. Donc ça, c'est pas très malin de votre part. Et une scène super cool, faut l'avouer. The Hall of Justice, avec la petite table. Là, on a une formation de Justice League qui va se faire avec la Terre Prime. Black Lightning fait partie maintenant. Et on l'a introduit au forceps, il a pas eu le choix, quoi. Tu vois. Pour conclure, c'est un crossover qui m'a pas convaincu. Je l'ai trouvé sympa, c'était agréable à voir, il y avait plein de clins d'œil. Mais il y avait énormément de défauts, quoi. C'était un truc qui était là pour le caméo, mais ils ont oublié d'écrire une bonne histoire, une histoire solide, une histoire qui me tient en haleine, comme ils avaient fait sur les autres crossovers. Mais je pense aussi que c'est la fin pour moi. Je pense que je vais arrêter et me concentrer sur d'autres séries qui sont plus qualitatives, parce qu'on n'a plus le temps de regarder tout ça. Donc la CW, c'était sympa, merci pour tout. Peut-être je ferai comme les faux fans et je repasserai pour les crossovers, ou peut-être pas. Yeah.
Terminus pour Crisis on Infinity Earths. Je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Dis-moi si t'as kiffé ce crossover. Dis-moi si t'en as rien à foutre de la CW. Et dis-moi surtout si tu veux lire ce comics. L'avantage de ce crossover, c'est peut-être que ça va t'intéresser à la lecture de comics. Parce que celui-là, mon gars, c'est un incontournable. Ça fait plaisir et c'est positif. Peace and love!